Ryder, ravi de vous voir. On travaille avec le docteur Aridana et son équipe sur un moyen d'atteindre Meridian. Nous pensons avoir la solution. Je vous écoute. Il s'agit d'une nouvelle technologie que nous avons baptisée Orage Fantôme. À l'approche de Meridian, nos vaisseaux pourront se faire passer pour le Tempête. Les Kert ne pourront pas discerner le vrai. Ça perturbera leurs capteurs et éloignera leurs vaisseaux de vous. Ça devrait vous faire gagner du temps. Si je comprends bien, ça n'a jamais été testé. Et si ça ne marche pas? Vous êtes loin d'être bête. Vous trouverez bien quelque chose. Ça veut dire aller contre les ordres de l'initiative. Pas de soutien. Vous n'avez rien entendu? Entendu quoi? Nous avons passé la journée à collecter des données dans des tableaux gamma. Le danger est une prérogative du travail de pionnier. Si encore ils nous payaient de temps en temps. Pas après un coup pareil. D'abord, vous allez devoir étudier la technologie Orage Fantôme. Ensuite, on vous rejoindra à Meridian. Bonne chance. Discutez. Un nouvel email vous attend sur votre terminal. Ah, vous voilà. Je me demandais, quand vous avez trouvé l'Arche Galarienne, il n'y avait rien d'étrange, d'anormal? J'ai pas franchement eu le temps de mener une enquête détaillée. Pourquoi cette question? Parce qu'on a reçu ça il y a quelques heures. Bonjour, Ryder. Je crois pas que la capture de l'Arche Galarienne était un hasard. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez-moi ses coordonnées. C'est tout? Vous croyez que c'est un canular? Maintenant que j'y pense, une armada carte qui croise la route de l'Arche Galarienne, c'est un drôle de hasard. Ça arrive, les coïncidences, mais c'est vrai que, dit comme ça, je vais entrer les coordonnées de ce rendez-vous dans l'ordinateur de navigation. Ça ne coûte rien de vérifier. Les recherches sur la technologie Orage Fantôme sont terminées, pionnière. Excellent. Ça veut dire qu'on est prêt à lancer l'opération sur Meridian. Je vais pionnière, organiser une réunion immédiatement. Vous avez des holos en attente? Pionnière, les dirigeants du Nexus estiment que chercher Meridian est une perte de temps. Mais on sait qu'il se trompe. Invité. Activer les caveaux, ça ne suffira pas sans le cœur du système. Histoire d'être sûr, vous désobéissez à un ordre direct? Non, pas moi. Nous, on va leur désobéir. Bien dit. Et les Kert? C'est là que la technologie Orage Fantôme entre en jeu. N'est-ce pas, Edger? Tout à fait. Nos faux signaux devraient faire diversion et attirer quelques Kert loin de vous. Pas tous, bien sûr, mais ça suffira. Le Tempête est petit et rapide. Un créneau réduit fera l'affaire. On vous déposera et on repartira sans que les Kert nous remarquent. Une fois sur Meridian, on envoie une petite équipe très mobile pour découvrir ses secrets. Juste derrière les lignes ennemies. Une occasion en or d'estimer leur nombre, d'évaluer leur défense. Et quand vous serez prêts, on reviendra vous récupérer comme à l'aller. Si on revient avec des infos intéressantes sur Meridian, le Nexus sera forcé de nous écouter. On dirait bien qu'on a un plan, alors. Edger? Prêt à partir à votre signal, pionnière. Allez, tout le monde, c'est le moment. On passe à l'action. Si les informations de l'Arconte sont exactes, c'est le bon système. Meridian devrait être dans les parages. En approche. La trajectoire a l'air bonne. Ça y est, c'est Meridian. Ou Kita Syrah, comme disent les Kert. On dirait une station spatiale géante. Lancement d'Orage Fantôme à mon signal. 3, 2, go! Signal
créature ennemie détectée. Prenez-les en chasse. Aiger, ça fonctionne. Je détecte un paquet de Kert en approche. On se replie. À vous de jouer, Tempête. Il faut qu'on les rapproche le plus possible de là. Vu l'énergie qu'on détecte, ça pourrait être un centre de contrôle. Pas de site d'atterrissage en vue. Ça complique les choses. Qu'est-ce qu'on fait ? Ryder, je crois qu'on va devoir se contenter d'un survol. Je vais descendre le plus bas possible, mais vous devrez vous éjecter sur la zone cible. Je suis tombée dans le vide si souvent que je suis devenue une pro. On m'a parlé de votre chute libre sur la Vita 7. Paraît que Liam vous a entendu crier tout du long. Évitez cette fois, c'est un peu gênant quand même. Bon, je vous apprends rien. Surveillez votre vitesse. Les boucliers s'occuperont du reste. Pour l'instant, les Kert ne nous ont pas détectés. Mais dès qu'on descendra, on sera à la vue de toutes les troupes au sol. Ne vous en faites pas pour nous. Contentez-vous de rester hors de danger avec le Tempête. Bien reçu. Tout le monde va bien ? Je me fais peut-être vieux, mais j'ai encore la carcasse solide. Il va falloir étudier la zone, comprendre à quoi... Pionnière, cette console m'a permis de détecter la présence d'un réseau complexe, relié à un centre de commande. Un centre de commande ? Tu veux dire qu'on a trouvé ce qui contrôle Meridian ? Très probablement. Cependant, le centre ne fonctionne pas. Il est désactivé. Voyons ce que Meridian a dans le ventre. On peut commencer par trouver son centre de commande. Pionnière, nous voyons là le centre de commande que j'ai détecté un peu plus tôt. Tout comme les caveaux et les monolithes, ce centre est relié aux deux tours voisines. Donc, en activant les tours, on activera aussi le centre de commande. On change le plan ? Je vote pour activer Meridian, tout de suite. Ça va pas plaire aux Kert. Il est déjà arrivé qu'un champ de purification s'active en même temps qu'un caveau. Meridian a peut-être un système similaire. Allons vers ces tours et voyons ce qu'on peut trouver. Pionnière ? La connexion à cette console a activé un puits de gravité. C'est Meridian. Incroyable. Pionnière, je capte des interférences radio. Un signal Kert. Alerte! Le signal détecté était un leurre. Des intrus se sont introduits à Kida Syrah. À toutes les unités, concentrez-vous sur la neutralisation et la capture de la pionnière. Ils peuvent toujours courir pour vous avoir, gamine. Seul.
Ça, c'est le centre de commande. On ferait sûrement mieux de commencer par les deux autres tours. Ce truc affole les capteurs. Sam, qu'est-ce que t'en dis ? De violents tourbillons d'énergie du fléau. À votre place, j'éviterai de m'en approcher, pionnière. Je me demande si ce déluge ne serait pas dû à un processeur d'atmosphère en panne. Arrêtez de râler. Un peu d'eau, ça va pas vous tuer. Les reliquats ont fait de la purée de Gert. C'est encore dur à voir. Parfois. Pionnière, les ondes d'énergie émanant de ces cratères semblent avoir donné naissance au fléau d'Ineus. Alors, ce qu'il s'est passé ici a envoyé le fléau contaminer tout le secteur ? Oui, pionnière. Le fléau est parti d'ici ? À cause des créateurs des reliquats ? Ça aurait aussi pu être une attaque ennemie. C'est mal barré. J'aimerais avoir le temps d'étudier ça davantage. Je détecte de faibles niveaux d'énergie, pionnière. Je vois les conduits. Il y a un motif bizarre, là. Mince, je crois que c'est grillé.
Ça m'étonnerait que ça marche. Me regardez pas. Les dégâts subis par certaines parties du système empêchent toute réactivation. On ne peut pas contourner les parties endommagées ? Je peux essayer, pionnière. Amplification des signaux. Il y a une sorte de glyphe là-dessus. Cela correspond au motif de la console principale, pionnière. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Excellent. Je crois que c'est bon. La console principale devrait fonctionner, pionnière. Réparation provisoire terminée, pionnière. Il n'y a qu'une façon d'en être sûr. Traduction. Système de navigation activé. Bienvenue, administrateur. Ça ne m'inspire rien de bon. Ne restons pas là. Je crois qu'en relançant le système, j'ai réactivé quelque chose à proximité. J'ai remarqué, Sam, et je ne crois pas que ce soit bon signe. Traduction. Vaisseau d'exploration en attente. Nous avons vu des vaisseaux reliquats, mais jamais en état de marche. Le système n'a pas accès aux commandes du système Méridiane. Le système Méridiane. Sam, tu sais ce que... On va avoir des ennuis. Ryder, vous avez aussi activé les défenses des reliquats. Ryder, j'ai détecté une vague d'énergie sur les scans. La section où vous êtes s'est allumée comme un sapin de Noël. Un sapin ? De quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous... Pas le temps de parler ! La procédure de sécurité a été neutralisée. Tout va bien. Les cartes nous attendent sûrement au tournant. Restez sur vos gardes. Bien sûr. J'en ai vu des choses, mais ça, jamais. Serait une aubaine pour les Angara. Si on arrivait à éliminer les cartes, on pourrait y apprendre énormément de choses. Vous croyez qu'activer ce truc, ça pourrait être utile aux cartes ?
Les troupes de l'Archonte sont... Envahi par la végétation. C'était le dernier, pour l'instant.
J'ai déjà vu ce genre d'organisme sur Avarl. Il fait sombre là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Traduction, modèle 1-3. Viabilité, 56,2%. Modèle génétique transmis à des fins de test. Il faisait des choses à ces Angaras. On ne peut encore rien affirmer, Jal. Ah bon ? Parce que la dernière fois qu'on a vu quelque chose comme ça, on nous transformait en Kert. Sam, j'ai besoin d'une analyse. Il semble que ces êtres ne soient pas des Angaras. Ils ne sont même pas vivants. Je ne comprends pas. Ils ont l'air si... Dans la langue des reliquats, on appelle ces corps des modèles génétiques. Un plan, comme les plantes qu'on a vues. Les Angaras. Comment ça? On vient d'ici? Ils nous ont créés? Pourquoi? Le pourquoi importe peu. Ça ne change pas la personne que vous êtes. C'est vrai. Et nos obstacles restent les mêmes. J'ai juste... l'impression que quelque chose a changé. Je dois réfléchir. Il faut que je parle à la Moshae. Meridian crée la vie. Et l'Archonte pourrait s'en servir pour le contraire. Tout détruire. À nous de veiller à ce que ça n'arrive jamais. Si on prend les commandes de Meridian en premier, l'Archonte ne pourra pas y toucher. Ça devrait nous ouvrir le centre de commande, c'est bien ça? Ok, c'est bon pour les deux tours. Ça devrait nous permettre d'accéder à la salle de commande principale de Meridian. On ne doit plus être très loin. Il faut qu'on active les deux pour accéder au cœur de Meridian. Les Kert ont... Scut! Les Kert sont arrivés avant nous! On a fait tout le boulot. Pas question qu'ils en retirent les bénéfices. Dites à l'Archonte qu'il est le prochain sur la liste.
qu'est-ce qu'on va trouver, à votre avis? Aucune idée, mais ça ressemble à un puits de gravité. Traduction. Déconnexion. Système Méridian manquant. Sam, il y a des dégâts ici. On peut rétablir les systèmes comme l'autre fois. Désolé, pionnière. Les systèmes sont intacts, mais ils sont à la recherche d'un composant qui ne semble pas exister. Comment ça, qui ne semble pas exister? Un instant, pionnière. J'ai trouvé quelque chose. Tavadon Avera. Ansoloran Asa Voltovganye. Bera Iras. Traduction. Dernier registre administrateur. L'arme de l'opposition peut causer de sévères dégâts. Toutes nos armes, tous nos vaisseaux ne pourront pas nous protéger, ni mon objectif. Détachons Méridian du centre de contrôle, qui restera ici pour attirer les attaques. Méridian contient l'œuvre entière des Jardan. C'est tout ce qui importe. Je vais l'envoyer loin. Nous y retournerons un jour pour reprendre le processus de renouveau. Fin du registre. L'Archonte avait tort. Ce n'est pas Méridian. Méridian est déjà loin. On doit bien pouvoir la faire revenir. Il faut qu'on bouge vite! Préparez-vous, on se casse d'ici. Sam, trouve-moi une autre sortie, loin des Kertes. Il n'y a aucune sortie, pionnière. Cela dit, la cité relique a ses propres défenses et nous sommes dans son centre de contrôle. J'aurais dû y penser. Bien sûr. Utilisez les défenses des reliquats contre les Kertes. Celle-là. Tuez les autres. Faites attention! C'est une de ceux qui peuvent se camoufler! Je sens toujours la puanteur de cette guerre. On verra ça plus tard. Occupons-nous d'abord des cartes.
vue. Tu te crois maligne, hein? Où est-ce que tu te caches ? Entière s'est allumée. Ça a affolé les capteurs. En plus, les Kert battent en retraite. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça a marché. Ils ont reçu une raclée bien méritée, avec les compliments de toute l'équipe. Étant donné que vous maîtrisez les défenses des reliquats pionnières, je prédis que les Kert ne tenteront pas de reprendre la cité. Et avec Meridian, vous avez avancé? Vous avez réussi à la mettre en marche? Ce n'est pas Meridian. Pas entièrement, du moins. C'est difficile à expliquer. On vous fera le topo plus tard. Bon, Meridian est perdue quelque part, mais ce truc devrait pouvoir nous indiquer ses coordonnées, non? Au contact du fléau, la trajectoire initiale de Meridian a dû être modifiée. Il faudrait des années pour déterminer ses coordonnées actuelles. On est entouré de technologies reliquates. Les Jardins avaient forcément un plan. À mon avis, ils n'ont pas vraiment eu le temps pour ça. Si c'est le fléau qui dérègle tout, faut peut-être chercher de ce côté-là. Qu'est-ce que vous avez en tête, gamine? En fait, j'espérais que l'un de vous enchaînerait avec une idée. Vous avez entendu, Kalo? Les cartes s'enfuient, face à nous. Ça veut surtout dire qu'il faut qu'on avance tant qu'ils sont affaiblis. On doit trouver Meridian, la vraie. Sam, récupère toutes les données que tu pourras. Appelle le Tempête qu'il vienne nous récupérer. Un sacré boulot nous attend, et il va falloir qu'on s'y mette tous. Pionnière, vous allez bien? Venez-en, au fait. Nous savons tous les deux ce que vous allez dire. Peut-être. Peut-être pas. Vous avez désobéi aux ordres de l'initiative en vous lançant à la poursuite de Meridian sans permission. Nos raisons étaient pourtant très claires. Mais... vous aviez raison, Ryder. Nous aurions dû vous écouter. Vous avez prouvé à maintes reprises que vous méritez amplement le titre de pionnière. Je n'ai jamais été si content d'avoir tort. Je savais que vous finiriez par ouvrir les yeux. Je crois savoir que la route vers Meridian est encore longue. L'initiative se tient prête à fournir toute l'aide dont vous aurez besoin. Pionnière, si vous avez terminé avec le Nexus, j'aimerais vous parler. Je crois savoir comment trouver Meridian.